Et bien le salut, du love et du bisou. Et le Don, Alex, n'hésitez pas, vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite d'Indiana Jones and the Fate of Atlantis, l'épisode 12. Vous avez passé une belle matinée, une belle soirée et une belle nuit. Ça tombe bien puisqu'aujourd'hui on va passer un bon début de vidéo parce que j'ai enfin trouvé le code de merde ici, je vous dis. J'ai actuellement fait 8, 16, 24, 32, 32, 40, 48, 56, 34, 72, 80. J'ai fait en tout à peu près 91 codes avant de le trouver. J'ai dû faire une feuille complète presque. Et j'ai trouvé qu'il fallait en fait mettre entre le volcan et le temple, il fallait mettre la lune, alors pas cette lune là, non, la bonne lune, non, Indiana Jones s'est trompé, hop. Alors je vais vous expliquer, en gros il y a une deuxième page du livre que je n'ai pas trouvé, hein. C'était bien ça du coup, qui manquait, et donc du coup là, hop, non, oh, la sensibilité du jeu est incroyable, hop, j'ai juste essayé de tourner le truc jusqu'au bout, non, c'est pas la bonne lune, c'est cette lune là. Et normalement, nous aurons une sorte d'interrupteur qui s'active, voilà, et qui part en couille. Incroyable. Tosha et Indy sont choqués de ce skill légendaire. Clic, la porte s'est ouverte, on va pouvoir aller à l'intérieur. Au revoir. J'ai fait mieux de pas prendre. Allez, voilà, prends les deux pierres, ça c'est bien dit. Trois pierres même. Et enfin, nous sommes arrivés dans un autre passage. Tosha, où es-tu? Oh non! C'est nous qui avons stupide Americaner. Ok. Kerner, d'où sortez-vous? Je n'ai pas le temps d'échanger des insultes avec vous. Donnez-moi les pierres ou vous ne reverrez jamais Miss Hapgood. Sophia Hapgood, elle s'appelle du coup. Okay. Il faudra d'abord me passer sur le corps. Ne me trompez pas. C'est votre unique chance. Donnez-moi les pierres, je serai forcé de vous tuer. Tu refuses, il me tue. Bon, il me tuera, je pense. De quoi je suis un fou? Vous bluffez, je m'en fous, je vais mourir, hein, je le sais, hein, mais bon, je ne bluffe jamais. Bang! Ah bah, je suis mort. C'est bien ce qui me semblait. Et un qui refuse d'écouter la raison. Ah ouais, mais non, moi je suis un guerrier. Avec les disques de pierre, Kerner décide d'ouvrir l'Atlantide et se noya. Ah ben bravo. Bravo. C'est pas grave. Hop, on va recharger la sauvegarde, évidemment. Attends, quoique, attends. Quoique, attends. Attendez, attendez, je vais voir s'il n'y a pas une. Ah non, il peut plus annuler. Non. Quand on quitte ça, jouez, jouez. Ok. Je vais refaire la sauvegarde, les amis, n'inquiétez pas. Et il se passe quoi après? Hein? Ending? C'est une ending, ok. Bon, on va recharger du coup la sauvegarde. Et cette fois-ci, je vais bien être soi là. On va bien faire attention à ne pas mourir et de lui donner les pierres du coup. C'était pour avoir une fin, voilà, parce qu'on avait une fin du jeu, les gars. Donc si on a une fin comme ça, c'est qu'on est proche de la fin du coup. C'est bon signe. Hop, donc Sophia, elle reste ici. Elle récupère les pierres évidemment, parce que faute de les oublier pourrait avoir des problèmes derrière. Hein. On sait pourquoi, hein. Kerner qui récupère les pierres et bye bye. Ok, donc là c'est Kerner qui tombe dessus. Donc c'est nous qui avons le stupide Americaner. Donc Miss Hopgood est capturée, très bien. Laissez Sophia en dehors de tout ça, colonel. Moi, je mets le dialogue un peu. Pourquoi? Elle est heureuse de se joindre à l'équipe gagnante. Malheureusement, je ne peux garantir sa sécurité. À moins que vous ne me donniez les pierres. Il veut les pierres. Tout de suite. Ok, prenez les pierres et sortez d'ici. Je vais tenter autre chose. Il va me dire quoi? Je vous jure que vous ne me reverrez plus jamais. Ni quelqu'un d'autre. Oh non, je vais me tuer.
Carner, sale vermipuante. Merde. Il nous a kidnappé Sophia, faut que je me barre d'ici. Oh, Carner, fermez l'autre côté. Mais je vais où? Marcher vers le mur de pierre. Ouais. Utiliser le mur de pierre? On n'a pas le choix. Avec la membrure, évidemment. Tiens. Je crois qu'un des rochers commence à bouger, c'est bon, on est sorti. Oh mon dieu! Prolane, Walt, vous devez monter à bord. Je n'irai nulle part. Qu'avez-vous fait à Indy, sale brute? Oubliez Jones. Comment un homme qui ne sait même pas sortir d'un labyrinthe pourrait-il vous emmener vers l'Atlantide? Y a pas tort, y a pas tort. Et vous êtes pratiquement un guide touristique de l'Atlantide, non? Nous avons repéré une entrée sous-marine de la cité perdue. Ah, ça c'est bon signe. Ensemble, nous découvrirons ses secrets. On arrive à la fin petit à petit, les amis. Bonne chance. Vous avez le choix, Fräulein. Oh mon dieu. Venir avec nous et réaliser votre rêve. Ou mourir, c'est ça? Ou rejoindre votre ami. Un cadavre de plus sur la route de la gloire. Je viens de voir qu'il y a un poisson avec des gants de boxe. Comment pourrais-je vous refuser une telle hospitalité? C'est leur marque de fabrique, le gant de boxe avec le poisson. John, c'était le meilleur que je ne le pensais. S'il arrivait à supporter cette femme. Bah écoutez, hein, c'est l'amour. Ouf. Ah. Pew. Wow. Hey, un sous-marin nazi. Ok, faut juste que j'aille récupérer le sous-marin. Faut qu'on se dépêche. Hop. Ok, on utilise le sous-marin. Je pense que ça marche pas. Ok, je suis dedans. Oh, marcher vers le canon direct. On va tester le canon et mitrailler la ville. Alors, utiliser. Regardez, oui, après on va utiliser. Une chose à la fois. Il a l'air terrible. Ok, si on regarde une deuxième fois, il dit quoi d'autre? Il a l'air terrible. Et si j'utilise le canon? Il risque de tuer un poisson? Ouais. Ben, tu veux faire quoi d'autre, mon pote? Marcher vers l'écoutille. Ah, bien. Ouvrir l'écoutille. Tac. Oh, halt! Oh oh. Tu es capitaine ici. Oui. Je ne tolère aucun clandestin. Non, attendez. Où je parle. Vous êtes un sous-marin ou un sous-humain? Désolé, je me suis trompé de bateau. Êtes-vous un capitaine de sous-marin ou d'un sous-humain? Oh. Défendez-vous, American Shrike. Bam. Oh. Attendez, on n'a pas les trucs du combat, non? Bam! Merde! Bam! Oh, le chaos! On dirait que c'est moi le capitaine maintenant! Et puis même c'est chaos! Bram! Patate, il est tombé le capitaine! Ok. On va activer le levier que je viens de voir là. J'espère que nous partons vers l'Atlantide. Du coup, il y a un corps à bord, donc on va faire attention. Qu'est-ce qu'ils nous font là? Ils font une sorte de dessin mathématique. Une sorte de. De foudre. Ok. Des crabes. Je sais que c'était les crabes qui dominaient le monde. Rien du tout. Rien à voir. Ok. Donc là, nous allons en direction de l'Atlantide. Enfin, l'entrée de l'Atlantide, du coup. Je crois qu'on est en sous-marin et pas en bateau. C'est sous l'océan. Ok. Donc là, il fait le tour. On va retrouver sur les crabes. Ok, parce que du coup je sais pas ce qu'il faut faire en vrai. Utiliser le gros levier, ça ne marchera pas. Regardez, il est marqué plus de fouleur. On descend en bas. Ouais. Il va falloir faire une stratégie là, les amis. Marcher vers la radio de bord. Oh, oui.
Et on va parler. On va faire. Écoutez-moi, tous les hommes torpille arrière, équipage rapport sur le point central, mon travail, les gars, continuez. Écoutez-moi, tous les hommes torpille arrière. Hop, ici, des dessins, ils sont plus là. Hop. Qui m'ont écouté? Sophia est juste là. Où j'y aille. Jones, où ça? Désolé, ça doit être mon imagination. Mince, du coup, c'est vrai qu'il y a le garde juste en bas. Et si il revient ici, il redescend. Qu'est-ce que ce bruit? Je vais retenir quelque chose. Oh purée, il va falloir trouver un moyen de le faire remonter. Ah, c'est une arme, ouais. Alors, ça sent la stratégie. Marcher vers le placard. On a tout. C'est pas un grand truc, donc ça va être très dur à trouver les objets en question. Prendre. Regarde. Marcher. Ouais, il faudrait ouvrir tous les placards, parce que dans les placards, il y a des objets. Hop, c'est déjà ouvert. Marcher vers l'arrière. Ah oui, mais les hommes, je les ai mis en torpille avant, je crois, non? Oui, nickel. Alors que fouille toutes les pièces pour trouver ce qu'il faut. Prendre le pain. On prend du pain. Hop, je vais en prendre deux tranches. Ce sera pas mal déjà. Est-ce que je peux en prendre plus? Ouais, déjà. Et donc là, on avait du pain. On a quoi d'autre? Marcher vers les chiottes en porcelaine. On va les regarder. Où c'est? Les chiottes en porcelaine, j'ai vu. Hop, ici. C'est une chope à bière en porcelaine. Bah, on va la prendre, on va la prendre. Tac. Le but c'est de faire un plat festin quoi. On va prendre de la charcuterie évidemment. Me permettez. Ah ouais, le but en vrai c'est de faire un sandwich quoi. Il faut aller me le dire. Donc, utiliser la charcuterie avec le pain. Hop. Non! Bah, je vais manger, attendez. On va le manger pour le moment. Et si je peux reprendre du pain? C'est la question que je suis en train de me poser du coup. J'ai déjà été mangé. Ok. Son sandwich, il sert à rien du tout. Alors attendez, parce que du coup là, ça va être l'énigme la plus incroyable du jeu vidéo. C'est-à-dire que j'ouvre tout plein de trucs. Tac. La trappe qui est là. Sinon que Sophia, elle est juste derrière. Elle peut mourir à tout instant si je fais une connerie. Marcher vers l'acide. Utiliser l'acide avec sandwich entamé. Hein? Je sais ce que je vais faire. Les amis, je crois qu'il y a quelqu'un qui va se fondre à la terre littéralement quoi, quand il va boire l'acide. Là, on pouvait aller là? Oui, on pouvait y aller. Alors, on monte en haut, on va aller fouiller cette salle-là. Ouais, le truc, c'est que vraiment que je fouille toutes les pièces, à mon avis, hein, c'est le but. En fait, pour libérer Sophia, il va falloir que je fouille toutes les pièces. Et comme par hasard, Steiner n'est nulle part. C'est-à-dire qu'on va rencontrer, genre, vers la fin du jeu, quoi. Ça ne marchera pas. Marcher vers le bouton. Utiliser le bouton, peut-être. Hein. Il faut que je trouve un truc. Ok, donc ils sont tous ici. Donc, pas mytho. Ça va être sûrement une sorte d'énigme en gros. Pour se faufiler en bas et tout, Sophia, il va falloir que je fasse plein de trucs. Ouvrir les toilettes. Et Steiner, il est juste en bas en plus. Et vers les toilettes. Fermé. Pour se cacher. Ok. Pour se cacher, on peut aller ici. En tous les cas, s'il y a quelqu'un qui nous voit, on peut aller ici. Hop. Si on ouvre cette salle, parce que voilà, est-ce qu'il y a un truc derrière cette porte? Et je peux utiliser l'armoire. Non, pas du tout. On peut ouvrir la trappe qui est en dessous. Ah, attendez, parce que là, ça a l'air d'être un 1000 Mac. C'est vert. Le tube à torpille. On peut ouvrir le tube à torpille apparemment. On peut y descendre. Je sais ce qu'il faut faire. Utiliser l'acide dedans. Utiliser
Une vie rapido. Utiliser. Une vie sur nous. Une gomme. Utiliser. Il faut utiliser quelque chose dedans ou pas? On va me poser un sandwich, peut-être. Pas d'arrêt de manger. Attendez, utiliser la torpille. Tirer la torpille, peut-être. Ok. Regardez, peut-être que ça me donne des indices. C'est vide. Ah, il faut mettre quelque chose dedans, on est d'accord. On est bien d'accord. Eh bien, écoute, on va faire un appel, on va faire l'inverse cette fois-ci. Attends, il y a un truc, une armoire ici, peut-être ouvrir, non? Ici, il y a quelque chose, on peut pas ouvrir ça, mais il était marqué que non, je crois. Ouvrir la trappe, c'est pas possible. Ah, ok. Ok. Pardon. My bad. Hop, comme ça, on fait ça. On ouvre ici. Non. Referme. Referme le placard. Ouvre par contre, mais ce que tu veux ouvrir, c'est une petite trappe. Voilà. Tac. On pourra descendre et récupérer ce qu'il y a en bas. Il y a un objet en bas. Alors. Essayez-vous de détendre, docteur. Encore pas fort. Ça ne semble pas s'ouvrir, mais on peut utiliser de l'acide pour l'ouvrir. Et l'acide rouge de métal. J'ai disque de pierre. Oh purée. Et notre clé, d'ailleurs. Très bien. On va faire une petite save. On va faire une petite save parce que j'ai l'impression qu'on progresse dans le jeu. Donc on va faire une petite save ici. Voilà. Très bien. On a bien fait de. On va mettre Alex N5 parce que j'ai l'impression. Ok, moi bon, je suis trompé, mais bon. Voilà, bon. En vrai, le Q et le A ils sont inversés dans le jeu. Hop. Sous-marin. Voilà. Ouais, on a peut-être dû faire ça avant. Le M n'est pas le M ici. Mais le disque, c'est point virgule? Là, c'est la virgule, c'est le M. Ok. Pourquoi être des touches de la Dirty du QWERTY par cœur. Ok, on a une nouvelle clé. Alors, la clé servira pour plus tard, je pense. Alors, on va remonter là-haut. On va faire l'inverse. On va inviter les marins à se mettre l'autre côté. Et oui. Alors, qu'est-ce qui se passe si marqué? Ça ne marche pas. Ok. On va utiliser la radio de bord. On va faire les malins. On va dire tous les hommes à l'avant. Et on se fait à l'avant. Moi, j'aurai le temps d'aller de mon côté fouiller. La salle où ils étaient tout à l'heure, là où on pouvait pas y accéder. Ok, donc maintenant, si on va par là, vers la gauche, il n'y a plus personne normalement. Par contre, les en bas, ils bougent pas, hein, clairement. Impossible de. C'est bon, il n'y a plus personne. On peut fouiller. Alors, qu'est-ce que c'est que ces graffitis? Alors, nous avons quoi? Marcher vers les fils. On peut ouvrir il regardez les fils regarde dit ce paquet de fils en mêlée peut-être qu'il faut utiliser la clé sur les fils pour les couper ça servira à rien utiliser la chope avec ah j'ai une idée j'ai une idée. En fait, mon idée ça va être de récupérer de nouveau de l'acide. Non, encore on l'a vu en bas. On va aller récupérer de l'acide de nouveau. Il n'y a plus d'acide. Oh. Peut-être qu'on peut utiliser les interrupteurs cette fois-ci. Ça ne marchera pas. C'est le bouton. Ça ne marche pas non plus. Ok. Très bien. Il y a quelqu'un qui écrit ID. Donc c'est peut-être un signe. Ok. Ah, marcher vers le tube à torpille. Ouvrir le tube à torpille. Il ne faut pas d'être cassé. Ah, on peut utiliser la clé avec le tube à torpille. Attendez, il faut que je trouve. Voilà. En fait, il faudrait que je trouve un moyen d'aller sauver notre amie Sophia. J'ai une idée, hein. J'ai une idée, mais je vais pas vous mentir, ça va peut-être pas marcher. Alors, mon idée. Purée, 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 purée.
La blabla, est-ce que tu peux utiliser clé avec rien du tout? Ok, en fait, ici, il n'y a rien à faire. Ici, on est bloqué. Alors, je vais vérifier que tout a été récupéré, tout a été utilisé. Est-ce que je peux. En vrai. Là, ce qui est bien de ce point de vue-là, c'est que j'ai quand même récupéré pas mal d'objets. Et j'ai fouillé un peu partout, je crois avoir récupéré presque tous les objets du bateau. Enfin, sauf ça. La ventouse. Pour la ventouse, il faudrait qu'eux, ils bougent de place, en fait. Ils sont comment, je vais en bas, là? Je vais en bas si... l'autre, il est mort, en fait. Ou alors, j'utilise le sandwich. Utiliser le garde avec le sandwich. Là, il fait quoi? Il me dit. Ok, il me dit. Ok, en gros, il va falloir que je trouve un moyen de dire autre chose à la radio. Les hommes à l'arrière, tous les hommes sur le pont central. Et en vrai, ils sont au milieu, c'est ça? Donc là, s'ils descendent, ils seront tous là. Comme un pressentiment. Comment ça? Oh. Les marins s'étant montrés assez vigilants, Indy fut envoyé dans les eaux très profondes. Conscient, Indy, courant. Non, c'est un game over. C'est un game over. Effectivement. Indy ne s'est fait attraper. Ok, on recherche une sauvegarde du coup. On recherche celle du sous-marin. Rien qui a changé depuis. Non, donc là du coup c'est pas très important de toute façon. Il faut que je trouve un moyen de. Assez clairement ça, hein. Un moyen de remplir ce truc avec quelque chose. Tube à torpille. C'est quoi ça, ce tube à torpille? Qu'est-ce que je dois jeter dans le tube à torpille? Qu'est-ce que je dois acheter dans le tube à torpille? Tuyau avec le tube à torpille, peut-être? Non? Ça marchera pas? De l'eau? Sur les fils! Oui! Les fils. Bon, en bas, on peut pas y aller, hein, clairement. Bon. Alors, ce que je vais faire, c'est que, mon côté, je vais fouiller tous les lieux, machin. Ici, par exemple, c'était pour le coffre, on l'a ouvert. Marcher à le coffre fondu, on s'en fout. Ah, attendez, c'est quoi ça? Et du décor. Ok, on va aller vers les fils. Donc, on va activer le message, s'il vous plaît. Indy vous demande, avec gentillesse, de vous déplacer vers le ponton droit. Comme ça, nous, on va aller à gauche. On va jeter de l'eau sur les fils. J'espère que ça va marcher. Et puis après, bah écoutez. Si ça marche pas cette solution et que je trouve pas d'objet, ben écoutez, on fera la petite ellipse, ou peut-être même pas, on verra, parce que du coup, je vois qu'on arrive bientôt à 30 minutes. Mais en tout cas, au prochain épisode, il y aura la solution, c'est sûr. Mais bon, ici, il faut. Ah, peut-être utiliser de l'eau. C'est cassé, c'est cassé. Et je peux pas mettre de l'eau sur le truc qui est cassé, je suis en train de me demander là. Alors, utiliser de l'eau avec les fils. Ça servira à rien, évidemment, c'est trop beau pour être vrai. Et sur la torpille. Okay. Si j'ouvre les torpilles, il ne s'ouvrira pas, il doit être cassé. Mais si j'utilise de l'eau, le tube à torpille. Attendez, je vais utiliser de l'eau avec. On va voir que ça marquera. Qu'est-ce que je pourrais utiliser? Il doit bien y avoir un objet qui peut permettre d'ouvrir la torpille là. J'ai aucun objet qui permet d'ouvrir. Le chewing-gum. Plus mon fouet, hein. C'est passé mon fouet, mais il est plus là. J'ai dû le perdre. Ah si, il est là le fouet. À côté. Il va sûrement utiliser le fouet avec les fils, peut-être. Non, pas les fils. Avec le fouet, on n'y pense jamais, mais ça va être solution. Le fouet n'est pas une solution ici.
Forcément. À quoi me sert ce sandwich? Quoi me sert ce sandwich? Bon, la solution n'étant pas présente actuellement, je pense avoir tout fait, hein, je regarde quand même peu. Oui, des fils, on s'entorpille. Je n'ai pas la solution sur le moment qui m'est visible. Écoutez, on va juste faire une petite ellipse cette fois-ci. Voilà. On va pas quitter la vidéo encore, on va juste faire une petite ellipse. Je vous retrouve dans un instant le temps de regarder ce qu'il fallait faire ici dans ces deux tubes. Et dès que j'ai la solution, je vous retrouve les amis à de suite pour la continuité de cette vidéo. Eh bien, re les amis, j'ai trouvé ce qu'il fallait faire et c'est juste magnifique. Attends, hop, j'ai trouvé ce qu'il fallait faire et c'est juste magnifique. Il fallait. Alors, eh bien, il faut qu'on aille voir si Sophia mais au niveau de l'opposé, là on était tout à l'heure, qu'on lui parle à la... comme si c'était Nubalsar. Et en gros, c'est le moyen de se débarrasser du garde, tout simplement. Regardez, hop. Et ici, voilà. Comme ça, on entend Sophia parler. Écoutez. Indy, je ne peux plus rien pour vous, madame. En gros, ce qui se passait, c'est qu'en gros... Oh, attendez! On a forcément que c'est Nubalsar. Comme ça, on pourra discuter avec elle comme si c'était Nubalsar. Donc, du coup... Un vieil ami de l'Atlantide. Hop, son esprit m'appelle. Et là, c'est là qu'on va lui dire Tu peux-tu te débarrasser du garde, voilà. Là, ce nouvel sort est faible et si loin. Donc là, du coup, il faut lui dire que j'ai un plan. Dis-moi à Nubalsar que j'ai un plan. Nubalsar, écoute, j'ai pas fait plus que ça. En vrai, j'ai juste vu qu'il fallait faire ça. Voilà. Distrait le garde quelques instants, d'accord. Nubalsar comprend tout. Voilà, nickel. Attendez. Quoi? Oh zut. J'ai perdu le contact. Dommage. Et nous, en gros, quand il va distraire le garde, nous, il faut qu'on aille le surprendre et qu'on le met un coup de poing qui meurt. Parce que s'il nous voit, c'est terminé. Hein. Je vous le dis. Okay. C'est ici. Excusez-moi, monsieur le garde, c'est bon de descendre. Non, non, non. Qu'est-ce que tu fais, Indy? Mais t'es le pire personnage de jeu vidéo. Non, c'est le distrait de garde, c'est pour descendre tout en bas. Êtes-vous... Mais comment je l'arrête pareil et espérer que votre foi me plaira? Sinon vous êtes un homme mort. Ok. Tu m'as quand même vu. Madame, vous avez dit que votre avenir était... Vous vendez de super blousons en cuir. Absolument nul. Non, c'est pas ça. Oh, ça va être dur de trouver le bon dialogue et on va me faire que mourir inconnu. Non, maintenant que vous le dites... BAM! Ok, le combo! J'ai fouillé le sous-marin, mais on l'a déjà fait, je crois, on a fouillé le sous-marin. Donc, je vais prendre la ventouse. Alors, on va prendre le garde inconscient. On va prendre le garde inconscient. On va peut-être le tirer, non? Ok. Archiver Sophia. Regardez le gouvernail. Il écrit quoi là? C'est une sorte de barre fermée par un cadenas. Oh, ma vie. Qu'est-ce que j'ai ici? Débloqué. Oh, attendez 2 secondes. J'ai récupéré la ventouse, évidemment, comme ça c'est fait. On la prend. On la ventouse. Tac. Nickel. T'as vu par là côté alors qu'on est en train de tranquillement s'amuser là? On va utiliser la barre. Ça n'a pas marché. Utiliser la ventouse avec la barre. Utiliser la barre, ma foi. On va parler avec Sophia. Écoute. Tu sais piloter un sous-marin. Elle va me dire oui. Tu veux rire, Jones? Je suis médium, pas navigatrice. Non, évidemment, elle va pas dire oui. Que fait-on maintenant?
Diana prétend avoir découvert une entrée sous-marine par ici. Ouais. Essayons de la trouver. Très bien. Regardez la barre, il y a écrit quoi? C'est une barre. Ouais, bah pourquoi il y a un cadenas? C'est parce que Saphir était peut-être attaché, c'est pour ça. Tu n'y viens pas? Je reste ici pour veiller sur la belle au bois dormant. Ça marche. Très bien. Écoutez, nous on va essayer de jouer, faire joujou avec les différents interrupteurs présents dans ce niveau. Si tu utilises le levier, le bouton. Ça ne marche pas. Hein. Il y a un bouton ici, on l'utilise, ça marche pas non plus, c'est ça? Ça ne marche pas. Off the curse. Je me demande maintenant si je peux utiliser la ventouse sur les objets qui sont présents ici, sur les shields peut-être. Ça ne sert à rien. Et la ventouse avec le lance-torpille. Ça ne marchera pas. Donc du coup, ce n'est pas du tout ici. On va rappeler les gardes de l'autre côté. On va utiliser la ventouse dans le tuyau. Et si ça ne marche pas, ben écoutez, on se laissera ici à ce moment-là. Histoire de reprendre au prochain épisode dans ce sous-marin magnifique. Hop, on remonte. On fait la petite appel. Genre, allez tous à l'ouest du sous-marin. Comme ça, au moins, je vais pouvoir évidemment aller à l'ouest. Les hommes aux torpilles arrière. Ah non, c'est les torpilles arrière. Donc, du coup, l'avant du bateau, c'est là où on va aller. Ok. On va à l'avant. Avant, je regarde un truc. Je regarde juste un truc. Ça ne marche pas. Évidemment. Ah, ok. Et Steiner et Skarner et en bas, il est avec le docteur, donc ils sont en mode discute de, je sais pas, de quoi manger ce soir après avoir découvert l'Atlantide. Ventouse avec le tube à torpille. Oh, bah, du coup, décidément, je ne vois pas ce qu'il faut faire. Fois de plus. Très bien. Utiliser la ventouse avec le toilette. La logique du jeu, non? Ok. So. Donc, regardez la barre. Et. Voilà, Sophia, garde inconscient. Bon, j'ai pas d'idée. Écoutez, on va se laisser ici, les amis. De toute façon, ça fait déjà une demi-heure de vidéo. Donc, c'est bien avancé. Petite sauvegarde évidemment, parce qu'on a quand même assommé le garde, on a bien fouillé le sous-marin, je crois qu'on a tout fouillé hein, quasiment. Donc là, on va arriver aux Atlantides lors du prochain épisode. Normalement, on est aux Atlantides, ça y est, on va arriver dans l'Atlantide enfin. Donc, grâce au dialogue perdu de Platon, on aura pu rencontrer beaucoup d'aventures pour arriver à l'Atlantide, le lieu final du jeu, je l'espère. Je vous fais le salut, du love et des bisous, merci d'avoir suivi cet épisode 12 d'Indiana Jones and the Fate of Atlantis, qui est mieux que le dernier déjà, avec plus de choses réalisées dans l'épisode. Prenez soin de vous, on se retrouve pour l'épisode 13 très vite. C'était Dan Alex, le salut, du love et des bisous, à très vite. Passez une belle journée, une belle nuit, ou une belle après-midi, et un bel été, ou un bel hiver. Salut tout le monde.